menu with the duck. Point, point, point. The duck. You finish? D'Hollywood à Séoul, en passant par Clermont-Ferrand, le cinéma sous toutes les latitudes aujourd'hui dans À l'affiche. Bonjour et bienvenue. C'est le grand rendez-vous annuel du cinéma américain. La 92e cérémonie des Oscars, ce sera ce dimanche, avec de grands favoris comme 1917 de Sam Mendes, Le Joker ou The Irishman. Mais la cérémonie laisse aussi une petite place aux films venus d'ailleurs. Et les Français sont bien représentés cette année, notamment avec Les Misérables de Lajli, en lice pour le meilleur film étranger. Pierrick Laurent a suivi ces dernières semaines quelques franchises à Hollywood en pleine campagne pour la statuette. Cela fait des mois qu'ils enchaînent les tapis rouges de Cannes. À Hollywood, l'équipe des Misérables a gravi tous les échelons. Mais son réalisateur Lajli joue profil bas. Nous, on s'attend à rien. On est content d'être là. C'est que du bonus. Si on gagne, tant mieux. Si on ne gagne pas, ça sera une belle aventure, une belle expérience. Et voilà. Il faut dire qu'avec ce premier film, Lajli côtoie directement les plus grands. Dans la catégorie meilleur film étranger, l'un des principaux concurrents est Pedro Almodovar. De quoi impressionner lorsque tous deux se rencontrent pour la première fois. Bon, enchanté, on est très contents. Oh oui, on est très contents avec. En coulisses, la course à l'Oscar, c'est une campagne électorale. Et voici l'équivalent du meeting, la projection publique. Ce soir-là, l'équipe du long-métrage d'animation « J'ai perdu mon corps » vient le présenter dans ce cinéma de Los Angeles. Pour créer du lien, une séance de questions-réponses avec un objectif, séduire le public et imposer ce film iconoclaste face à un mastodonte du box-office comme Toy Story 4. On vend beaucoup cette idée d'originalité, cette idée de créativité, d'un cinéma alternatif, en quelque sorte. Et les gens sont sensibles à ça. Ensuite, il faut la puissance de Netflix derrière pour faire entendre ce message, faire venir les gens qui voient le film. Parce que, en général, quand les gens voient le film, ils votent pour le film. Les grands studios peuvent ainsi dépenser jusqu'à 30 millions de dollars par film pour influencer le vote. Sur Hollywood Boulevard, où les préparatifs de la cérémonie battent leur plein, le réalisateur Yves Pia et ses producteurs rêvent eux aussi d'un Oscar. Mais dans la catégorie court-métrage, où l'argent n'est pas encore roi. Ici, on est encore une sorte de bulle, en fait, on va dire, pour moi, qui mise vraiment sur la qualité du film. Donc on a quand même une relation presse qui s'occupe de promouvoir un petit peu le film, d'en parler un petit peu. Mais ça, ça a été vraiment au dernier moment. Donc oui, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'un long métrage. Bienvenue à Hollywood. Au total, les Français concourent dans 6 catégories. Verdict dimanche soir. All right. Vive la France. Merci. Voilà, et rendez-vous lundi pour une émission spéciale Oscar avec tout le palmarès et les moments forts de la cérémonie. Autre rendez-vous annuel du cinéma un peu moins connu, un peu moins historique que les Oscars, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, c'était toute cette semaine. Un festival qui en est tout de même à sa 42e édition, qui est le plus grand rendez-vous mondial pour le court. 161 films en compétition cette année, venus de 60 pays. Au programme notamment, une rétrospective sur le monde paysan, un regard tendre sur les cow-boys américains et l'invasion du Maroc par des extraterrestres. Et c'est Renaud Lefort qui est allé pour nous au Pays des Volcans pour cette édition 2020. Pendant le festival de Clermont-Ferrand, on fait clairement la cour. T'as de beaux yeux, tu sais. Mais on fait surtout du court. ...161 films en compétition, et pourquoi ne pas s'arrêter sur un jeune réalisateur venu du Colorado. Dans Lefty Righty, un cow-boy divorcé et sa fille se rapprochent à l'occasion de la mort du patriarche. Un western atypique, loin des clichés du genre. L'un des concepts et l'une des idées qu'on a eues dès le début de l'écriture du script, c'était d'essayer de voir comment évolue cette petite fille au milieu de cette famille très masculine, faite de cow-boys. Pour moi, l'émotion la plus importante dans ce film, c'est la gentillesse, car il en manque cruellement aux États-Unis. Voir les gens comme des amis et des voisins,
et non pas comme des gens qui vivent de l'autre côté d'un mur. Cette année, deux thématiques phares pour les 165 000 festivaliers. Le cinéma polonais et le monde agricole, avec un beau documentaire d'Hubert Charuel. Le cinéaste, césarisé en 2018 pour Petit Paysan, filme avec humour le quotidien de ses parents. Tu m'as pas montré gentil avec les bâches, qu'est-ce que vont penser les gens? Je ne veux pas qu'on s'y... De la vache au mulet de la réalisatrice franco-marocaine Sophia Alaoui. Primée au Sundance Festival, c'est la pépite de cette 42e édition. L'invasion d'extraterrestres dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. C'est vrai que ce film ça peut paraître comme une espèce de fin du monde parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça bouleverse les croyances profondes de mes personnages. Et c'est un peu comme ça qu'est tendu le film, comme une espèce de fin du monde. Mais de cette fin du monde naît autre chose en fait. Donc c'est l'ancien monde confronté à un monde inconnu en fait. Enfin, un hommage au réalisateur, scénariste, musicien et designer néerlandais Rosto, disparu en mars 2019. Au musée des Beaux-Arts, storyboards, objets, films sombres et fantasmagoriques sont projetés, en un mot, surréaliste. Comme cette édition 2020 du Festival de Clermont-Ferrand. Et de Clermont-Ferrand, je vous propose de partir à Séoul, dans le sillage d'Alain Chabat, ou plutôt de Stéphane, son personnage, dans Hashtag Je suis là, la dernière comédie signée Éric Lartigot. Lartigot, c'était réalisateur notamment de La famille Bélier, gros succès de l'année 2014. Stéphane, donc, part sur un coup de tête en Corée du Sud, à la rencontre de Sou, dont il est tombé amoureux sur une appli de rencontre. Pascal Deschamps, Sabine Gord. Bonjour Sou, vous allez bien ? C'est une jolie relation virtuelle que nous, Stéphane, un cuisinier du Sud-Ouest, avec une jeune Coréenne. Vous êtes où ? Au travail. Mais une relation qui va peu à peu envahir sa vie, à tout point de vue. C'est Pornic ? On dirait Pornic. Non, c'est la Corée, ça. La Corée ? Ouais. Je me disais aussi, vous n'avez pas dû le payer cher. Ça me rappelle, vous savez, les cartes postales qu'on avait, des peintures qui étaient faites par les... Vous soulevez ? Les handicapés. Alors un beau jour, presque sur un coup de tête, il décide de tout quitter pour aller rencontrer cette femme qu'il ne connaît pas. Le doc. Le finish. Et voilà Alain Chabat dans le rôle d'un amoureux fragile, un rôle écrit spécialement pour lui par le réalisateur. Cette capacité bienveillante qu'il a naturellement en lui, et ce regard aussi totalement de gosse, qu'il a, et cette manière de bouger, quelquefois qui est très enfantine. Il a des gestes qui sont enfantins. Et je trouve ça ultra touchant, quoi. Son côté môme, on connaît depuis les nuls. Et une filmographie qui ne se prend pas au sérieux, devant comme derrière la caméra. Il aime les personnages de BD, les monstres, auxquels il s'est même parfois identifié. Les personnages moches au dehors et beaux dedans, c'est toujours agréable, quoi. Toujours, on s'identifie. Enfin, moi, je m'identifie, forcément. Mais il est aujourd'hui plus que convaincant dans le rôle de ce quinquagénaire en pleine remise en cause, même s'il a toujours autant de mal à parler de lui. Bon, je pense qu'il y a forcément des trucs de moi qui m'ont échappé, j'imagine. Puisque quand je... Et particulièrement pour ce personnage, il y a un moment où il faut s'abandonner, quoi. Donc on joue. On joue ce qui est écrit et ce que demande le réalisateur. Et après, oui, l'histoire m'a touché. J'ai pas le fantasme de tout quitter pour, mais je trouve que ce que fait le personnage est assez et courageux et romantique. Moi, je suis dans la force de l'âge, Suzanne. Eh bien, bien sûr. Ben ouais. Alors, ben laissez personne vous dire le contraire. Un Chabat dans la force de l'âge, plus serein et craquant que jamais.
Voilà, l'affiche, c'est déjà fini, mais l'aventure continue bien sûr sur France24.com et sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec quelques images extraites du film qui pourrait avoir l'Oscar du titre le plus long de l'année, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, un Joker au féminin, extrait de l'univers de Batman, avec Margot Robbie en super-vilaine qui s'éclate sur du Edith Piaf. Je vous laisse découvrir et je vous dis à très vite. With you. You gotta be kidding me. Isn't this fun? It's just like a sleepover. We should order pizza. Big Cosmos. Harley, focus. Okay. I'm the one they should be scared of. Boom! Not you. Not Mr. J. Because I'm Harley freaking Quinn. Who's having a good time? Get ready, ladies.